Bienvenue sur SLib les amis. Aujourd'hui, une nouvelle parole de proprio qui compte double, puisque on a une M3 et une M5. François, qu'on avait déjà vu, salut. Bonjour. Bah, oui, c'est un plaisir de te revoir. Ouais, exactement. Après l'hydro-dipping, le spécialiste en Ile-de-France de l'hydro-dipping. Ouais. Ça a intéressé les gens d'ailleurs. Hein. Oui, il y a eu pas mal de Il y a eu pas mal de commentaires. Ouais. Jean-Yves qui est là aussi, qu'on connaît pas, qu'on n'a pas vu sur Essai Libre. Ouais. C'est la première fois. Toi, tu es le propriétaire de la M5. C'est ça. Et François, propriétaire de la M3. Exact. Bon, M3 plus M5, aujourd'hui, c'est pas une mise en concurrence des deux modèles, loin de là. C'est une parole de proprio, c'est profiter avec la marque BMW et des voitures mythiques comme celle-ci. Ça ne vieillit pas. Hein. Non. Ça ne vieillit pas, c'est collector. Ça, c'est un peu plus youngtimer. Ouais. Un petit peu plus, mais ouais, dans les deux, il y a du charme. Je pense qu'on va commencer par la plus ancienne. Oui. Parce que c'est honneur aux mamies, ouais, hein. honneur, normal. Honneur aux anciens. Elle est de quelle année celle-ci? Elle est de 94. 1994, donc oui, ça commence à faire quelques années. Et je vais faire un peu le tour rapidement pour nos amis qui sont au bout de la caméra. Avec des jantes, c'est les jantes d'origine? Tout est d'origine, la voiture est en strict état d'origine. Strict état d'origine, bon. Avec un gris un peu souris, là, comme ça. Je vous montre aussi l'arrière. Et il y avait le fameux logo. Hein. C'est ça qui fait beaucoup. Quand on voit le logo M, c'est plutôt bon signe. Hein. La voiture n'a jamais été modifiée en quoi que ce soit, donc elle est vraiment dans son jus, comme on dit. D'accord. Alors, si tu peux juste nous expliquer depuis quand tu l'as, cette auto? Je l'ai depuis 2005, en fait. Depuis 2005, donc elle avait déjà 11 ans quand tu l'as achetée? Elle avait déjà 11 ans, oui. Ouais. Et tu l'as achetée à combien de kilomètres? Elle avait 150 000 km. D'accord. Et là, elle en a 245 000. Ah bah, t'as bien roulé quand même. Un petit peu, ça a été ma voiture principale pendant plusieurs années. Ah oui. Et puis après, dans Paris, ça devenait un petit peu compliqué avec les gens qui vignent un peu les voitures. Ah. Donc, ça a été une voiture parisienne? Un petit peu. Elle a été dans Paris? Je dis pas Paris, mais j'ai fait pas mal de Paris avec. Ah, bon. Puis, j'en ai eu marre, donc j'ai racheté une 320, une petite 320 36, ce qui est collector aussi. Ah oui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette voiture, caractéristique technique du coup? Alors, c'est un moteur de 3 litres 8 de 340 chevaux. Mmh. Et qui, contrairement à BMW un peu plus récente, n'a absolument aucune aide à la conduite. À part l'ABS, tout est direct. C'était la belle époque de zéro électronique quasiment. Absolument. Ouais. Ah. Donc, le moteur, c'est un moteur, si on s'y connaît un petit peu, on peut travailler dessus soi-même. Mmh. Il n'y a pas de cache. Enfin, bon, moi, je le fais un tout petit peu parce que je ne suis pas mécanicien, mais sinon, ça, c'est une voiture très, très facile à utiliser. On peut rouler avec tous les jours, ça ne pose aucun problème. Ouais. Très agréable. Par contre, c'est des M à l'ancienne, donc c'est un petit peu dur au niveau des suspensions qui sont pilotées d'ailleurs. Pour le confort. Ah oui, elles sont pilotées? C'est piloté, ouais. Ah oui. Alors, celles-ci, elles sont pilotées électroniquement. Ouais. Il y avait une version où ça s'appelait Numoring et on avait un petit switch confort ou sport. Et ça, on décidait. Il y avait quand même un minimum d'électronique, il y avait au moins ça. Il y avait la suspension, l'amortissement piloté. D'accord. Donc je l'ai conservé, mais beaucoup de gens qui ont des M5 34 comme ça mettent des Bilstein à la place. Ah. Et retirent. Et ils font sauter le piloté. Ouais, absolument. Bon. Mais moi, je l'ai gardé. Et... On verra peut-être tout à l'heure. Mais bah, on verra en roulant, ouais. Voilà, tout est d'origine. Les gens ont un truc de particulier. Ouais. Parce que c'était la version 3.8.8. Hein. Pour la version 3.8.5, 3.8.6, pardon, c'était des, ce qu'on appelait les enjoliveurs turbines, ouais. Mais celle-ci, la forme de l'étoile, permet en roulant de refroidir les freins en fait. Ah, ça a été étudié pour ouais, ça en fait. Ouais, tout à fait. D'accord, c'est vrai que la forme est particulière. Et là, tes chaussées en 17 pouces, 235-45. Ouais, tout à fait. Alors, ça c'est en monte carré comme on dit, mais il y avait des montes mixtes et c'était en 255 à l'arrière. On va juste regarder la face avant parce que, en termes de design, hein, c'est. Voilà en quoi les Youngtimer, parce que les deux petits feux ronds comme ça, ouais. ça c'est magnifique. Et puis le clignotant orange, la belle époque. C'est là la force des Allemands, hein, c'est qu'il y a un design de base qui a bientôt 30 ans et qui ne vieillit pas, au contraire. Ça se bonifie même avec le temps, je trouve. Ça se bonifie. Même la ligne, hein, c'est une belle berline, c'était une belle berline. C'est dans la boîte à gants, là, tu me mentionnais que... Ça, c'est collector. Ça, c'est ultra collector, plus que la voiture. Tu peux l'enlever et nous montrer. En fait, tu la détaches. Ça s'allume. Et voilà, et donc tu as ta lampe de poche toujours avec toi qui est rechargée. Derrière, il y a une prise. Ça, tu la recharges. Ah, c'est génial. Et quand la voiture s'arrête, il y a un petit coup de charpie. Donc,
Et dès que le moteur redémarre, elle se recharge. Donc tu es toujours assuré d'avoir une lampe de poche qui fonctionne. Ouais, et ça, c'est bien. Pourquoi les constructeurs ne font pas ça systématiquement? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Ouais. Mais ouais, pour la sécurité, c'est quand même pas mal. Alors, regardez le moteur. Bah, je crois que sur ce genre de voiture, ça se mérite quand même. Ça se regarde. Oh, l'ouverture est intéressante, tiens. Ouais, une petite cinétique particulière. Ah oui, dis donc. Il se pré-ouvre, en fait. Ouais. Ah ouais. Alors François qui fait de la mécanique, hein, il faut le dire. Hein, oui, t'es là, il est là, il dit rien, mais il a quand même. Je regarde. Alors il fait de l'hydro-dipping, mais en même temps, il est aussi garagiste et spécialiste BMW surtout. Enfin, ouais, beaucoup dans les Allemandes. Beaucoup dans les Allemandes, ouais, tu connais bien. Et alors là c'est ta partie, parce que ça remplit bien le compartiment. Le compartiment ouais, est grand, ouais. Mais pour autant, il est bien rempli. Hein. Ouais. C'est impressionnant. Donc 6 cylindres en ligne, hein. Mythique BMW, 3 litres 8, 340 chevaux pile poil. Je vais me mettre de l'autre côté pour montrer que c'est gravé dessus même. BMW M-Power, quand t'avais ça, hein, c'est... et quand t'as toujours ça d'ailleurs, ça fait plaisir. Facile à bosser ça, François? Oui, c'est quand même de la mécanique où t'as quand même de la place, après tout dépend de ce que tu vas faire dessus. Ouais. Mais c'est de la bonne mécanique au niveau, pour travailler dessus, c'est agréable. C'est agréable. Et puis c'est fiable du coup. Oui, c'est très fiable, c'est très costaud, c'est très... Avant, voilà, après qu'on dit très fiable, il faut toujours respecter les temps de chauffe. Enfin, voilà. C'est un moteur quand même assez costaud. Ouais, il suffit de respecter le moteur et il te le rend. Exactement. Ouais. Et dessous? Ça devrait pas être mal. Le dessous? Ça devrait pas être mal? Attends. Paf. Alors, double sortie de peau. Et c'est propre aussi, hein, franchement. Propre et bien qu'elle fait traite à la roue de secours qui doit être... Elle est dans le coffre, en fait. Elle est dans le coffre et tu y as accès... Ouais, tu la récoltes par le haut. Ouais. Mmh. Et puis là, c'est un coffre de berline familiale. Là, donc là, ah ouais, ouais. Ah, dis donc, mais la jante, elle est particulière. Bah, en fait, la spécificité des roues, c'est que c'est une jante en deux. C'est-à-dire que l'enjoliveur se met sur cette partie noire, en fait. Ah. Donc c'est une jante... Ah, mais alors tu veux dire que ça, c'est... C'est un enjoliveur. Ah ouais, j'avais pas compris, d'accord, ok. Ah oui, je m'attendais à voir la même forme de jante, mais en fait, c'est juste un cache qu'on vient clipser. Derrière ces barres d'étoiles se trouvent les barres noires que l'on voit. D'accord. Alors, le 3 litres 2. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais c'est d'origine, non, la barre anti-rapprochement. Alors, chez toi, Camille. Voilà, celle-ci je l'ai mis, mais il faut savoir que sur beaucoup de M346, il y en avait d'origine. Les feux, t'avais du xénon là-dessus? Oui, ouais, il y a du xénon. Alors combien de kilomètres ta voiture? Elle a 120 000. 120 000 km, tu l'as acheté il y a combien de temps? Oh, il y a 4 ans. C'est important de regarder les dessous des voitures. T'en sais quelque chose. Surtout mais, pour bah oui, celle-ci. Surtout sur celle-ci. Donc là, c'est du pot d'échappement Eisenmann. Alors, que fait, toi t'as mis? Ouais, que j'ai mis. Bon, parce qu'en fait, d'origine, elles font quand même des bruits métalliques sur les 3 litres 2. Ouais. Et c'est vrai que jamais, je préfère un petit peu le bruit un peu grave. Donc j'ai remis un silencieux. Donc on a un bruit... On a un bruit un peu plus grave. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on y voit en dessous? J'essaye de voir en même temps, mais c'est pas évident, hein, avec mon petit écran de contrôle. Bah on voit que c'est nickel en fait, hein. Forcément. Hein. Ouais, c'est bien calfeutré, hein. Et puis là, ça respire. Ouais, ça respire. Bah, ça respire. Puis il faut savoir que sur les M3, enfin beaucoup de M3 en fait, il y a eu des soucis sur les trains arrière. Oui. En fait, qui fissuraient dû soit au rabaissement de la voiture ou soit à la puissance aussi. La puissance, bah tu m'étonnes toi. Et donc en fait, il existe en fait des réparations que je fais aussi. Ben oui, tu m'avais montré d'ailleurs, j'étais témoin de ça, j'ai vu le... Faut descendre tout le train arrière, donc tout c'est le pont, la transmission, le réservoir, et en fait, tous les points de fixation du pont arrière, oui. Donc en fait, on refait des cales, et on ressoude, et on remonte. Tu refais même mieux qu'à neuf. Ouais, oui, parce qu'on parce l'a, que l'a, on tu la renforce. Ouais, bah, on la renforce. Celle-ci, quand je l'ai eue, bah, moi je l'ai fait parce que je la connaissais pas, la voiture. Et en fait, elle était à peine fissurée, et donc maintenant, elle est faite pour durer. T'as combien de chevaux dans celle-ci? 343. Bon, on est dans les mêmes ordres d'idées, hein. Ouais. Ouais, on est à peu près tout à fait. Dans les mêmes puissances. Bon, bah, celui-là, c'est un 3 litres 2. C'est un 3 litres 2, c'est voilà. Pas le 3 litres 8. Voilà.
Donc il y a un petit peu moins de couple. Je pense que j'avais regardé un peu les chiffres. Je crois que toi, tu es dans les 300 et quelques newton mètres. Ouais, et là, on est à 400 newton mètres. Ah! Alors, est-ce que tu avais la clim? Je vois que oui. Il y a la clim. Elle marche. Alors, elle fonctionne, mais il faut que je la recharge. Et sur ces voitures, le gaz, c'est du R12 qui est interdit aujourd'hui. Ah, comment on fait alors? Alors, il y a un gaz de substitution qui est le R413. Ouais. Et par chez moi, ils en avaient encore il y a quelques temps. Et donc, il faut que je la recharge un petit peu. Mais... Ah oui, d'accord. Mais alors, quand il n'y aura plus de R413, comme tu dis... Eh ben, il n'y aura plus de clim. Il n'y aura plus de clim. Tout bêtement, il n'y aura plus de clim. Le R413, lui, est autorisé. Il est autorisé. Il fonctionne sans avoir besoin d'adapter la clim. Parce qu'après, on peut mettre du 134, mais il faut tout réadapter. Oh la vache, toute la tuyauterie, il faut revoir. Oui, il y en a pour, je crois que chez BM, il y en a pour prix affiché 3000 euros, je crois. Ah ouais, quand même. Donc, avec le toit ouvrant, avec le toit ouvrant, c'est parfait. Déjà, en fait, j'utilisais assez peu la clim. Et puis, donc je ne l'ai pas rechargé. D'accord. Alors, mais ça, c'est pareil. Alors, l'extérieur ne vieillit pas, mais les tableaux de bord, je trouve que c'est pareil. Enfin, moi, j'adore. J'ai toujours aimé ça. Alors, bien sûr. Tu as bien touché dans ton Mais oui, toujours. Mais là, il y a du moussé. Ouais. Ça mousse, les amis. Ça mousse, le tableau de bord. Mais depuis tout le temps, chez BM, ils avaient compris ça bien assez tôt. Pour la qualité, ça fait pas de rossignol, du moins. Non, ça ne s'assure pas. Voilà, ça vieillit bien. Et puis regarde, la calligraphie des compteurs, tout ça, c'est toujours moderne, je trouve. C'est moderne. Alors, une subtilité sur ces versions-là, mais je pense que c'est pas sur la M3. Mm. À la place de voir l'éconoscope, c'est la température d'huile. Ah oui. Donc, bon, là, sur une sportive comme celle-là, c'est bien de l'avoir. Ça devient rare à trouver, ça. Ouais, température d'huile. Bah, c'est spécifique aux versions, en général. Ouais. Mais bon, et là, alors voilà, c'est là où on voit qu'on est dans les années 90 parce qu'il y a plein de petits boutons. Chaque bouton a une fonction. Et oui, et c'était marqué en allemand. Là, c'est en allemand, ouais. Ouais, parce que c'est une allemande à la base, la voiture. Elle vient de France, mais tout est écrit en allemand. Ah ouais, ouais. Et les versions françaises, elles c'était étaient. Les premières importées, elles étaient. Ah ouais. Oui, parce que les années de production de cette auto, justement, c'est quoi? C'est 92, 96? Alors, les premières, les versions 3 Litis, devaient dater de 89, je crois. Ah, même 89? Et la 80, la, 2, la, enfin, la 3 Litis 8 est apparue en 80, fin 93, début 94, en fait. D'accord. Et après, il y a de cette version, une évolution, ouais. Qui est en fait, qui est la même avec une boîte 6. Et qui fait 347 chevaux, donc en fait il n'y a pas grand chose de plus. Ce qui change, c'est la calandre avec le capot, qui sont les calandres et les capots des versions E34 mais V8. D'accord. Les mêmes que la 540 par exemple. Il y a eu des moteurs V8. Et le petit pommeau qui est d'origine aussi. Qui est d'origine. Et qui est en bel état. Hein. Et que l'on ne voit pas parce qu'il fait soleil, mais qui est lumineux quand on allume en pleine nuit, ça s'éclaire. Non, c'est génial ça. Là, je sais pas si on non, bah là on le verra, pas. Mais non, on le verra pas. Ça va être compliqué, mais. Il est lumineux, c'est clair. Hein. C'est super. Ça fait partie des. C'est super. Des spécificités. Les vitres électriques sont là. Vitres électriques. Ils sont pas dans les portes. L'autoradio d'origine. Autoradio d'origine. Et attention, cassette, s'il vous plaît. Cassette. Oui, forcément, hein, les années 90. Eh ben, allons profiter sur la route. Allons rouler. Une petite clé spéciale. Ouais, parce que tu as une alarme. Il y a une alarme dessus, il y a un petit bitonio à allumer. Ouais. Et à partir de là, on peut démarrer. Et l'alarme, c'était un truc d'origine, ça? Ouais. Ou ça a été installé après? Non, c'est d'origine. D'origine, d'accord. Le 6 cylindres. Le 6 cylindres. J'attends toujours que le petit inspection s'éteigne. Ah oui. Et puis une fois que c'est éteint, c'est parti. Et alors, ça m'avait toujours surpris, mais à l'époque, on ne faisait pas encore les logos colorés, tu vois, sur le volant, là. Alors, c'est parce que ce volant a un airbag. Ouais. Parce qu'il y a des versions M, il y a des versions, des volants M, M-Tech, qui n'a pas d'airbag, qui est en trois branches. Et là, le petit logo, il est en couleur. Ouais, et puis, parce que c'est des pièces métalliques, et quand l'airbag explose, tu pouvais te prendre la pièce métallique dans la tête, ouais, donc c'est un peu dommage. Toi, tu l'as, François, là, à côté, hein. Bon, après, je sais pas comment ils ont raisonné le truc, mais à l'époque, ça savait pas le faire. Ouais, ils savaient pas le faire, voilà. Donc, c'était comme ça. Alors, Jean-Yves, du coup, moi, je suis toujours intéressé par ça. Je veux savoir, les gens aussi, j'espère, c'est d'où vient la passion. Parce que quand on roule en M5 des années 90, c'est qu'on est un petit peu passionné de voiture, quand même. Alors, en fait, j'ai fait le grand écart. C'est-à-dire que ma première voiture, ça a été une 104 Z. Ah oui, 104 Z. J'ai commencé à travailler, à gagner ma vie. Ouais. J'ai acheté une E34. J'ai toujours adoré l'E34. T'as toujours aimé BM, en fait? Ouais, spécifiquement l'E34. Ouais. Elle a une belle forme, cette voiture. J'adorais ça. Ouais. Les phares ronds à l'avant. Ouais. Je trouvais ça génial. Et puis, donc, quand j'ai commencé à gagner ma vie, j'ai acheté une E34 535i. Ah oui, c'était déjà bien. Hein. Qui était une voiture extraordinaire. Ouais. Au-dessus, il y avait juste la 540, qui était en V8.
Mais la 535, en plus, pour l'anecdote, a servi de base pour la version Alpina. Oui, c'est cette version. Les fameuses versions Alpina. Ils sont extrêmement rares à trouver. Un poil plus performante que les M5. Ouais, les moteurs est préparé, la carrosserie. Un petit peu plus, enfin pas beaucoup plus, hein, faisait 360 chevaux. Ouais. Mais sûrement un peu plus confortable, à vrai dire. Et puis j'ai toujours adoré les BM, donc j'ai eu la 535, après alors j'ai une 325 TDS. Oui, mais ça aussi ça roulait bien. Ça roulait bien, maintenant j'ai la M5 et puis une 320i, un petit coupé 320i, très sympa. Donc depuis toujours passionné par les BM et notamment ce modèle. Ouais, absolument. Mais elle te vient d'où la passion pour l'automobile? C'est à gauche là. J'ai toujours aimé les voitures, je sais pas exactement d'où ça vient. Ah ouais? C'est pas ton père, c'est pas la famille, c'est pas... Non, enfin, c'est toi tout seul. Ouais, tout à fait. Bon. Et alors, du coup, pourquoi ce modèle-là te plaît? C'est l'esthétique? Il y a des choses dans l'esthétique qui te parlent? On va pas se mentir, la puissance, la 55, c'était génial. Ça faisait 211 chevaux. Ouais, déjà. C'était un avion de chasse. Ouais. Un confort à conduire extraordinaire. Et puis, j'avais lu un article dans une revue spécialisée sur les M5. Et je me suis dit, il faut que j'achète ça un jour. Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui, une M5 comme la tienne, en état dans le jus? Celle-ci doit valoir autour des 20 000 euros. Mais ah oui, quand même. Ça peut valoir plus. Certains les vendent plus cher. J'ai regardé, certains les vendent plus cher. Ah, vache. Mais la cote est remontée mécaniquement parce que les M3 E30, il y a encore 5-6 ans, les trouvaient pour 15 000 euros. Et pareil, ça monte aussi. Bah là, c'est tout monte de pair. Ouais. Autour des 45-50 000 euros maintenant. Putain. Le prix un peu démentiel, à vrai dire. C'est fou. Donc, bah, toutes ces voitures avec le côté Youngtimer bah, prennent un peu de valeur mécaniquement. Et alors, est-ce que c'est pas indiscret de te demander, toi, combien tu l'avais acheté à l'époque? Ça fait combien de temps que tu l'as? Bah, je l'avais racheté environ 9 000 euros. 9 000 ouais. euros. En quelle année c'était? Bah, c'était en 2005-2006. Ouais, 2005. Ouais, tu vois, en un peu plus de 10 ans, ouais, elle a doublé la mise. J'imagine la réponse, mais je te le demande quand même. Tu comptes la garder? Bah, ou tu vas la vendre? Je pense que je vais la vendre. Ouais. Ah ouais? Pour être tout à fait honnête, ouais. Ah, tiens. Mais il y a une voiture que j'aime beaucoup également qui s'appelle la 850 CSI. Ah! D'ailleurs, j'avais vu. T'as vu l'essai de Damien avec sa 850i? Voilà, 850i, à vrai dire. Elle manque un peu de puissance. Ça manque un peu de puissance, c'est mieux vaut acheter de la 840 pour des raisons de coût d'entretien principalement. Ouais. Alors là, c'est le bon exemple, le petit Dodan, pour tester l'amortissement. Alors, François, derrière, c'est ferme, mais. C'est confortable. Ça va quand même. C'est confortable. Moi, je suis passager, ça va. Hein. Là, sur l'autoroute, c'est un. C'est un rail. Ah, ouais, là, c'est son terrain, de toute façon, c'est son terrain de jeu. Son terrain. Ouais. Le petit défaut de ces voitures. C'est que si on fait pas gaffe, hein, ça se règle un petit peu. La direction a tendance à être un tout petit peu floue. Ah, sur le point central, il y a un flou sur le point central. Alors il y a un petit réglage à faire. Ouais. Pour lui redonner un petit peu de dureté. Ouais, mais c'est vraiment anecdotique hein, parce qu'il faut le savoir. Ouais, d'accord. Alors justement, dans les qualités défauts, les qualités, tu vas être dithyrambique, mais dis-nous tout de suite les défauts que tu y vois. Alors, le flou de la direction, tu viens d'en parler. Est-ce que tu as d'autres éléments à préciser? Ce qui pourrait être rébutoire pour certains, c'est un peu la dureté de la voiture dont on parlait tout à l'heure. Ça peut être un. Au niveau de l'amortissement? Ouais, ça peut être un petit frein pour certains. Ouais. Après, je vois pas trop de défauts. L'entretien, c'est quand même. Même si chez BMW, ça peut le faire, ça reste quand même de la mécanique à l'ancienne. Ouais. Donc, c'est tout à fait jouable de mettre les mains dans le cambouis sur cette voiture-là. Ouais, ça pose pas de problème. Ah oui, il n'y a pas trop d'électronique, effectivement. Ouais, tout à fait. J'ai pas de défaut d'électronique, tout fonctionne vraiment. Tout fonctionne, est en état de marche. Ouais, tout marche. Tu vois, 0 à 100 sur cette voiture, je crois qu'il était donné en 6 secondes. 6 secondes 5, je crois. Ouais, bon, c'est déjà pas mal. Hein. C'est pas mal, ouais, non, il y a vraiment pas ça. Vu le poids de la bête et tout. Ouais. Ouais, toujours personne derrière, donc c'est bon. Et tu peux nous faire un démarrage 0 à 100, s'il te plaît. Je ne suis pas pilote. Hein. Non, mais on le sait, mais fais comme tu le sens. C'est atteint, voilà, c'est fait. Ouais. Et ben le bruit du 6 cylindres, on l'aime. Hein. Ouais, c'est sympa. Ouais. Jean-Yves, est-ce que tu me laisserais le volant? Bien sûr, ouais. De ta M5, bien sûr, pour que je puisse voir. Alors, après, pour les puristes de la M5, souvent c'est la E39 qui leur semble la meilleure M5
Ouais. Juste, même aujourd'hui compris, puisque maintenant avec le downsizing. Donc c'est la version d'après. La version juste après, ouais. Ouais. Qui est à peine plus avec le V8, en fait. Avec ouais. le V8. Elle était belle, hein, celle-là elle aussi. Très, moi, très belle, j'aimais hein. beaucoup. Hein. Elle fait 400 chevaux. Ah ouais. C'est le même moteur que dans la Z8. T'as eu l'occasion de la conduire ou pas? Non, jamais. Ouais. Alors certains préfèrent, c'est comme pour la M3 36, les gens préfèrent la 3 litres à la 3 litres d'eau. Ouais. Et en prendre le volant, on va. Ça fait pas plaisir. Hein. On va tester ça, effectivement. Un vrai bonheur. Ah, mais... Tu vois, t'as pas besoin de rouler vite parce que tout de suite tu ressens des choses. C'est ça ouais. qui est. Moi, ce que j'aime sur les 6 cylindres, c'est l'onctuosité du truc. Sûr, ouais. C'est comme de la chantilly. J'avais déjà utilisé ce terme là. Tu vois, j'aime bien la chantilly. Ouais. Moi. C'est aussi onctueux que ça. Pour moi, c'est un vrai bonheur. En plus, tu ressens bien la route, ça te donne toutes les informations. Alors, ouais, dans le volant, ouais. bon, je vais voir en roulant un peu plus vite, mais ouais, ouais c'est informatif en fait. Hein. Absolument, ouais. Alors, pour voiture moderne, des fois tu sens plus rien. Mais... Boîte 5, les rapports se passent de bonne manière. Hein. Ouais, ça passe bien. C'est ouais. assez précis. Ouais. ouais, la direction, effectivement, elle est informative. Elle est... Tu sens la route. Quoi. Ouais. Mais encore, tu vois, je m'attendais à pire que ça, moi, en termes de puissance. On s'attend toujours des trucs. Bah après, il faut taper un peu dans les tours. Sur les versions, ouais, il faut taper un peu. Ouais. C'est atmosphérique, ouais. tu vas avoir tout le coup vers les 3-4 000. Hein. Ouais, c'est ça, il ouais. n'y a pas de turbo, donc il faut taper un peu dans les tours. Ouais. Amortissement. Franchement ça va. Et alors le piloté on le sent du coup parce qu'il anticipe un peu, non? Tu l'as encore le piloté? Ah oui, toujours, il est en permanence. Ça se sent un peu. C'est permanent. Ouais. J'avais ça sur une 607 à l'époque. Ça fait un peu les mêmes sensations où la voiture compense. C'est ça, voilà. Il n'y a que les packs numbering où le piloté, tu peux le sélectionner à la main, tu peux être en confort ou en sport. Mmh. Je vais juste montrer à nos amis parce que je peux tout faire. Hein. Je peux conduire, parler, et voilà, j'ai l'habitude. Pour montrer les compteurs en action, voilà, toujours ce modernisme, aucunement démodé, c'est incroyable. Avec le petit sigle M qui va bien. Bon François, t'es à l'arrière, mais du coup... ce qui, hein? Tu vois, ce que je regarde là, c'est ouais. Enfin, ce qui est assez encore mythique, tu vois, sur les anciens. Ouais. T'as le cendrier dans oui. le panneau de porte. Oui, 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 oui. Et tout le panneau de porte, il est en cuir, enfin c'est vraiment ouais. bien... C'est bien fini. Ouais, ouais. Alors le cendrier aussi. Ah bah le cendrier. Carré, c'est des choses vraiment... que tu. C'est des choses que tu ne vois plus. Non, ouais. non, tu vois plus ça. T'en vois des cendriers, mais ils sont souvent. À l'avant. Dans... Ouais, à l'avant ou dans la console centrale. Mais le petit cendrier carré, ouais. vraiment dans le panneau de porte, c'était vraiment. Ces belles années-là. Ah, effectivement, il y a un petit jeu dans la direction, ouais, il faut, ouais. faut savoir l'anticiper en ouais, fait. C'est ça, voilà. Parce qu'elle va pas là où tu as vraiment envie d'aller. Ouais. Il y a un petit décalage. Il y a une petite vis à régler sur la colonne de direction. Mais du coup, tu faisais le trajet banlieue Paris. Ouais. Alors, la question qui peut intéresser nos amis aussi, c'est combien ça consomme une M5? Alors, quand tu... Alors, sur autoroute, alors j'ai un peu vérifié, tu es à... sur autoroute à 130, on va dire, tu es à 11 litres. Ouais. À peu près. Ouais. Quand tu te lâches au sportif, tu peux monter à 25 litres. Hein. Ouais, c'est ça, c'est dans les 12 à 20 litres voilà, en fonction. Heures, ouais. Ouais, la moyenne, là, ce qu'on a dû faire là, c'est on devait être autour des 18. Ça résonne un peu. Et ça tient bien. Voilà. Petite séquence plaisir. Ouais, t'as raison. Partage dans les rassemblements du coup un petit peu avec ouais. ta voiture ouais, un petit peu. Et tu notes le succès qu'elle a ou pas? Les gens viennent voir la voiture, te ouais, posent ouais, des questions, tout à fait. Le regard des gens sur cette M5 ouais. aujourd'hui qui devient de plus en plus rare, donc les gens aiment bien. Et ce qui est assez sympa dans ce rassemblement auto, c'est qu'il y a de tout, c'est à dire que ça va de la 4L à la Ferrari, donc ben oui. c'est, mais c'est ça qui est beau, c'est l'ouverture, voilà, c'est l'ouverture, c'est ça qu'il faut prôner. C'est génial en fait, c'est pas sectaire, ouais, ouais. Donc c'est un peu la bonne ambiance. Rétromobile, mais sympa quoi. Mmh. Merci Jean-Yves de ta confiance. C'est un vrai bonheur de prendre le volant de voiture comme ça. Hein, parce que on peut dire que c'est mythique. Hein. Ouais, ça, et ça le sera de plus en plus. Et je garde toujours en mémoire bah, les sensations, le ressenti, même si c'est court, il y a des choses qui restent en mémoire. Voilà, j'en ai nous revenus au point de départ. On va aller maintenant regarder la voiture de François. Bah, de François. On va aller faire un tour avec maintenant. C'est à François de nous expliquer tout ça. Allez. La sonorité. Ah oui. C'est plus rauque. C'est très rauque.
Et le bruit était bien plus métallique et aigu. Beaucoup plus métallique à l'origine. D'accord.